Ils vont mettre les affaires dans la voiture. Elle est dans ce type en haut, Joël. Joël, il y a un sens qui va passer avec la chambre. Oui. Il y a un vélo. Pardon. Tu envoies des étages. On monte aux étages, c'est parti. C'est parti. Donc, si vous voulez, on reste là, nous. Oui, on reste là. Bien, messieurs, on va vous demander de sortir, s'il vous plaît. Personne ne rentre. Moi, je n'ai plus de personne. Non, vous ne rentrez pas maintenant. Je vais laisser les enfants là-bas. Plus personne ne rentre. Je rentre pas maintenant. Je préfère, je peux laisser l'enfant là-bas. Il y a des gens à l'intérieur, ils vont s'occuper. Tu vas me laisser à l'extérieur. Je suis allé prendre le truc pour que le jeune m'ait aidé parce que l'enfant est à 4 ans. Il est seul là-bas. Non, il veut sortir. Il y a l'association qui est à l'intérieur. Il y a quelques problèmes. Là, je suis allé au chute de là-bas. Il va sortir. Oui, je préfère. Il y a Marie-Ange qui va venir et puis on va demander à Marie-Ange d'aller chercher la voiture. Tu veux dire ouais? Maintenant, je vais nous passer des affaires ici. On s'occupe de vous dans 2 minutes. On a sauvé On attend d'abord que les gens qui n'ont rien à faire sortent. Et après, on fait sortir les gens qui n'ont rien à faire là et après, on va aller chercher son enfant. Mais ils vont rester 2 minutes de plus. Écoutez-moi, vous êtes sortis 3 minutes, ils peuvent attendre 2 minutes de plus. Pas 5, 2. Voilà. On fait sortir les gens du hall et après, vous allez pouvoir aller vous occuper de vos enfants. Quelle humanité. Donc ça, c'est... Pour accompagner ces gens-là sur la voie publique, les écoutes des non, on peut y aller tout seul, merci. Je vous donne juste les lieux qui sont quand même relativement éloignés, il y en a très peu dans Rennes Métropole. Base de loisirs des syndics d'Illy, centre de vacances L'Aurore à Saint-Malo, 34 lits, auberge de jeunesse de Rennes, Sidi, foyer Saint-Labre, à Saint-Benoît-Labre, 12 lits. Pour personnes isolées jusqu'à 30 jours. Foyer habité, 2 chambres. Bourg de Pimpon, 6 chalets équipés, soit 24 lits. Pas plus de dinar, chambre de 2 à 4 places, 9 lits. Résidence du Plessis, heureux, un couple avec 3 enfants. Logis à Bru, dortoir. Bain sur Oust, 1 à 4 lits. Tiens, parle au micro. T'as été expulsé, est-ce que t'as... Allez, Jacques. J'ai été expulsé comme un malpropre. J'ai vu quelque chose d'horrible. J'ai vu des flics empêcher une maman de rentrer récupérer son bébé. J'ai trouvé ça abominable. J'ai pas pu m'empêcher de dire si c'est ça l'humanité avec laquelle le préfet doit évacuer ce lieu. Tout ça est invocable. Pour l'instant, on ne voit rien du tout de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des camarades qui étaient à l'intérieur qui ont raconté, donc il semble que ce soit quand même assez tendu à l'intérieur. On nous a lu le communiqué de la préfecture là tout de suite, donc il semble qu'il y ait pas mal de solutions de relogement, mais beaucoup à l'extérieur de Rennes, donc ça va être compliqué. Quoi. Si c'est des hébergements stables et que les gens s'installent définitivement, pourquoi pas à l'extérieur, mais si c'est temporaire, on risque de déscolariser les gamins,
déraciner des familles. Donc on espère que tous les demandeurs d'asile vont être relogés de façon stable. Les autres, bon, on sait bien qu'ils n'ont pas le droit à un CADA, mais ça n'empêche pas de chercher des solutions humaines. Donc voilà, on en saura plus, on va aller à la préfecture là, essayer de retrouver les gens à leur sortie pour savoir qui va où et dans quelles conditions. On a vécu 6 mois ici en tant que militant, on connaît les gens, on va pas dire que c'était notre maison, mais au moins il s'est passé quelque chose de magnifique parce qu'on a mis en exergue une bagarre. Dans ce squat, en 7 mois, faire cohabiter 250 personnes, voire plus, avec X nationalités dans des conditions qui n'étaient pas un hôtel, hein, donc 4, 5, 6 personnes parfois dans des endroits. 300 personnes dans un lit, 250 peu importe, c'est très bruyant. On a eu très peu de problèmes. On a eu des gens qui étaient capables de vivre ensemble, de se débrouiller. Ils ont... Ce matin, ça s'est passé bizarrement parce que on a été averti vers 4h30 que les forces de police étaient déjà là, alors qu'on pensait qu'elles arriveraient un petit peu plus tard. Donc, on espérait pouvoir rentrer dans les bâtiments pour s'occuper un petit peu des migrants avant que la police n'arrive. Et ça n'a pas été le cas puisque le bâtiment était déjà cerné quand on est arrivé vers 4h30, simplement le cas. Donc, nous n'avons pas pu rentrer. Il y avait des personnes à l'intérieur. Nous sommes passés dehors. Voilà, c'était un peu difficile d'être dehors en se disant qu'il se passait des choses désagréables à l'intérieur et qu'on ne pouvait absolument pas intervenir. Voilà. Il est clair que les migrants n'ont aucune information, sauf celui d'avoir signé un papier comme quoi ils s'engageaient à ne pas refuser la proposition de la préfecture. Aucun n'a eu l'assurance que l'hébergement allait durer un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois. Donc ils sont tous très inquiets. On leur donne un rendez-vous pour l'instant. Comme toujours, c'est toujours très mal préparé, puisqu'ils avaient la liste et des logements et des personnes en partie. Donc ils auraient très bien pu donner directement la destination là. On leur dit rendez-vous à la préfecture avant midi. On sait très bien que ça va être une situation totalement impossible à gérer. Donc certains finiront par avoir peut-être un rendez-vous en fin d'après-midi et devront galérer pour aller dans les hébergements qui a priori se trouvent assez loin de Rennes Métropole. Un vrai scandale dans le sens où toutes les écoles spécialisées dans l'accueil d'enfants de migrants se trouvent dans le centre de Rennes. Donc commencer à envoyer des familles à l'extérieur de Rennes Métropole et de Rennes, bon, c'est un peu douteux dans la logique d'accompagnement des migrants. Vous allez où? Oh, les cons.
La gueule normale quoi. On arrête les taxis très rapidement pour savoir où vont les gens, quelle destination, quel est leur nom et où ils vont. Et maintenant, le cordon de la police nous empêche systématiquement d'arrêter les voitures. On a été plus loin pour ne pas gêner la sortie, mais malgré tout, on n'a pas pu. Et ils étaient prêts à sortir la matraque. Donc là, vous ne savez pas où sont partis les... Eh bien non. On a su pour un taxi, les deux autres, on n'a pas pu savoir. Non, c'est en dessous de tout, c'est pas la peine de... Alors le problème, c'est que les gens là, les personnes qui ont été expulsées de passer, vont être mis en hébergement quelques jours. Par contre, on sait très bien que le 115 est totalement archi saturé. Et aussi, l'expulsion de ces personnes qui avaient un toit et qui du coup vont être hébergées, vont prendre la place d'autres personnes à la rue. Donc il va falloir qu'on s'occupe d'autres personnes qui vont être à la rue. Vous faites ça là. Bon, merci. Merci que vous êtes arrêté. C'est bien. C'est de la solidarité, ça. Merci. Hein. Bonne journée, bon courage. Alors c'est un petit peu compliqué, en fait on a du mal à savoir exactement ce qui se passe parce que les gens ressortent de la préfecture en taxi et on n'a pas toujours le temps de demander aux gens où ils vont. Donc ce qu'on en a vu, c'est que beaucoup de gens sont partis à l'extérieur de Rennes, plusieurs dans des gîtes ruraux, et pour une durée assez courte, 3 jours, 5 jours, certains ne savent pas pour combien de temps. Donc il reste encore des gens à l'intérieur de la préfecture et apparemment pour eux il y a un problème parce qu'il n'y a plus de place à leur proposer, on les fait attendre, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et bon, on est un peu inquiet de retrouver tout ce monde là dehors dans quelques jours quoi. Et les gens qui sont à l'intérieur, on nous dit qu'il reste 10 familles et 7 célibataires et que pour eux il n'y aurait pas de solution. Mais on les fait attendre, donc c'est peut-être qu'il y a une recherche quand même, mais c'est un peu préoccupant quand même. Je suis sûr qu'on bloquait là plutôt parce que...